Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve sur World of Tank dans le garage festif. On va tout de suite ouvrir le petit cadeau. Je sais que vous aimez ça, le calendrier de l'Avent. Un petit jeton pour le terminal, 100 000 crédits et un camo feu d'artifice. Magnifique, magnifique. Bientôt on aura peut-être une grosse boîte. Je sais pas qu'est-ce que ça dit. Blablabla. Ce serait bien d'avoir un char, tiens, là-dedans. On aura 5 grosses boîtes. Non, il faut 5 jetons de plus pour avoir une grosse boîte. Parfait, parfait. Dans 4 jours, logiquement, donc très bien, très bien. On va tout de suite partir sans plus vous faire attendre en bataille aléatoire avec l'Object 752. Donc, comme c'est indiqué dans le titre sur YouTube, nouveau char de la branche, pas de la branche, tout simplement des boîtes de Noël. On voit 75 qui a mis son magnifique camo. Bon, les chenilles, ça va encore, mais le grillage, là, c'est pas foufou, quoi. Ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Pas très camo comme ça, je trouve. Bon, il y a quelques petites feuilles ou quelques petits treillis là, je ne sais pas, mais ça fait pas beaucoup. Je pense pas que ça aide beaucoup au camo dans la réalité, ce genre de truc. Bref, je sais même pas si ça se met dans la réalité, si ça se mettait du moins sur les chars allemands à l'époque. Alors là, par contre, il y a du 10. On va partir avec plus de gold. Attention qu'il y a deux artis. On va tout de même aller au coin en ligne 2, c'est ma ligne préférée. J'ai pas le time d'aller en ville, clairement. Vous avez remarqué, si vous suivez ma chaîne, quand j'ai des chars à tourelles, un minimum de tourelles, je vais en ligne 2 tout simplement parce que j'ai pas le time. L'UDES, il y va aussi, parfait. C'est qu'il a quand même une bonne tourelle, l'air de rien. Bon, il a des tourelles qu'on va comparer au tiers 10, mais tout de même, le Kun, je sais pas trop ce qu'il va faire là. Par contre, il va plus me gêner qu'autre chose. À tous les coups, je le sens venir gros comme une patate. Alors ici, est-ce qu'on spot quelque chose rapidement? Peut-être un EBR, peut-être un RU. Non, apparemment non. Il n'y a rien du tout, saucisson là-bas. 430 U aussi ici, très bien, why not, why not. Attention quand même à leur TD, là tout. Ah, RU, oui, en effet, RU. Le object, il a envie d'en coller une. Ah, RU. Alors ici, est-ce qu'on aurait peut-être le conque? Non, pas comme ça, Benito. Alors le il a... Alors lui, il est mignon, il est mignon, il est tout mignon. On peut clairement facilement le shooter, même si il prend l'Arta. Voilà, on lui a collé les trois. Ça, c'était sympa de sa part de se montrer là. On a pris l'Arta, pas de souci. Ça va être fini, le stun. Voilà, c'est fini. On prend peut-être du spot. Non, dommage. On va se mettre derrière le rocher, vous savez quoi? On va se mettre gentiment, timor derrière le rocher. Le RU, je sais pas trop ce qu'il a essayé de faire. Attention ici, ça va, ça me touche pas. Ça ne m'atteint pas, comme on dit. Alors là, attention, on a Foch B, le con qui recule. Il pourrait peut-être se finir le petit RU qui s'enfuit là. Qui s'enfuit, qui s'enfuit. En faisant attention quand même au Foch B. Là, on n'a pas la dépression, malheureusement. On est spot, certainement. On est de toute façon proxy ici, peut-être. Le petit RU des familles. Là, attention, le Foch B, comme je disais. Attention, qui m'a toujours. Le S-conque, le con qui n'est pas mort. On prend du spot sur lui, très bien, attention à lui là. Non, très bien, il ne m'a pas, je peux peut-être l'avoir là, clairement. Il recule, il recule, il recule. Je peux peut-être toujours l'avoir, non. Pas comme ça, attention, Foch B, toujours le conque peut-être ici, si je décale, j'ai pas l'impression qu'il y a le badger et peut-être ici le conque. Oui, ça passe, il a le petit canon, tant mieux. Il me reste un obus. Pour l'instant, j'ai rentré les 3, enfin les 5 sur 5 même. Bon, vous allez me dire dans le RU, c'était peut-être facile. Peut-être ici le Foch ou le Mimille. Mimille, Mimille. Oui, là, ça perce facile, facile. En m'exposant un peu, mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors, on est en reload simplement. Donc, on attend, on va pouvoir les rush bientôt, je pense. Ça défend assez bien chez eux, ça défend assez. J'ai pas les... Ils sont tous en ville, planqués quelque part. Ou bien, où est-ce qu'ils sont leurs zozo? L'Arty a pris un shoot, parfait. Vu qu'elle se planque un peu, le Tiger Mouse n'est plus. J'ai repas shooté sur lui, malheureusement. J'ai pris quoi, moi, Foch et un petit coup d'Arta, un petit coup d'Arty. Alors, le Mimil. Le Mimil, le Mimil. Vas-y, tire, mon ami, tire. Alors, peut-être ici qu'on pourrait l'avoir gentiment, timor, non. C'est un peu chaud, là, de trouver sa dépression, clairement, sachant qu'il y a le Foch derrière, en plus. Alors, est-ce qu'on les rush, les amis? On est combien, là? On est combien? Est-ce qu'on a encore des points de vie? Attention, le Mimil. Hop, ça perce. Le Mimil encore. Les tracks. Il m'a rentré les 3 aussi, malheureusement. Je suis un peu en slip, mais lui aussi. 3300 dégâts, c'est correct. Par contre, on est tous à Walp. Il faudrait le 75, là, qui vienne les achever, rouler dessus. Voilà, le Mimil, il n'y a plus. Il reste le Foch, là-bas.
Très bien, très bien. Vise le foch, mon ami 430 là. Alors le foch là-bas. Si il nous spot pas, peut-être qu'on pourrait le shooter. Le 438, il décide d'y aller. Hop, attention. On a pris l'artie jusqu'à même ma trousse du coup. Le foch peut-être là-bas. Non, on n'a pas la dépression malheureusement. Attention à mes miches là, si j'avance. Je sais pas si j'ai peut-être la dépression tout juste là. Donc, voilà le foch là. Attention, est-ce que j'ai? Non, malheureusement, j'ai pas la dep. Il va se planquer le zozo. Mais j'ai pas la dépression du tout. L'artille a plu. Alors le petit conque là-bas, non, il y aura la carcasse du Tiger Mouse. Ludes, il faudrait peut-être y aller à un moment ou l'autre. Le foch doit être en reload là. Ou alors on attend carrément les copains. Je sais pas trop ce qu'on fait. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? On est plus que deux. Le Chief NP, je sais pas ce qu'il fait là derrière. Je sais pas du tout ce qu'il attend. Peut-être ici, on aurait le conque. Attention au foch. Merde. Merde, dans le toit. Voilà, comme ça. Alors là, il est mort, l'artie. Très bien. Ah oui, le foch, évidemment. C'est pas grave, c'est gagné. Je voulais un kill de plus. Pas la patience d'attendre. Sachant que Ludes, voilà quoi. Le foch, j'ai pris plein de spots sur lui. Ça sauve aussi ma game et mes stats, finalement. Tant mieux. De toute façon, j'étais en reload. J'aurais eu de plus, je pense, là, clairement. Donc voilà. Finalement, c'était un bon choix. Le Cobra a eu facilement le T54 Lite. On va quand même regarder la fin. Le BR, est-ce qu'il va se faire avoir comme le T54? Non. Il a surpris le Cobra. Très bien, très bien. Il était peut-être en reload, notre ami Cobra. Du coup, là, seul contre plein, il était dans le caca. Plutôt une réussite cette petite game. On s'est un peu mis la pression tout seul. On peut respirer. Ça y est. C'était assez sport, classe 2, très bien. On a pris 1231 XP de base. On a réussi une mission du petit chien Chaffee. On finit top XP, deuxième au dégâts. Derrière la Batchat qui a bien tapé quand même. Dommage pour elle qu'elle n'a pas plus d'XP. En même temps, si elle a tapé du tier 9, ça se comprend. Presque 10 000 XP, c'est correct. Et on est reparti du coup. On est reparti du coup en Tiger Mouse. On va essayer de faire la x2. Attendez, est-ce que j'ai les améliorations de terrain? Oui, j'ai des améliorations de terrain là-dessus. Avant d'oublier, on a presque fini. Ben voilà, on a terminé. On a terminé avec ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Rotation pivot pour les véhicules à casemate immobile. Rotation de la tourelle. La vitesse maximale en marche arrière. Vous savez quoi? On va prendre ça. Rotation de la tourelle du coup, vu qu'on n'a pas une casemate immobile. Ça fera très bien le taf, donc c'est très bien ça, ok. Et là, on va donc prendre le Tiger Mouse, on n'a que 7 000 XP dessus. Déjà terminé l'object, je ne sais pas combien de parties, j'ai pas regardé. Je ne sais pas où j'en suis de la marque non plus, on pourra regarder après cette game peut-être. Alors Tiger Mouse du coup. Alors ici, ça va pas être compliqué, on va aller dans le tunnel, clairement. Et on va mettre plus de gold et du chocolat en espérant pas prendre feu. Dans le tunnel, à 50 TP, très bon char. Par contre, le camo là, je pense qu'il a mis le camo chocolat de Noël. C'est pas le plus beau, je trouve, franchement. Bon, je dis pas que j'ai un beau camo, quoique, je trouve qu'il est quand même stylé comme ça. Mon VK, mon quoi, mon Tiger Mouse même. Par contre, il y a VK en face, mais il est moins bladé que moi finalement. Sauf qu'il a plus fait bas de caisse, mais par contre, à la gold, normalement, je peux le percer plus facilement face tourelle. Qu'est-ce que lui va me percer s'il est en face? Clairement, on va voir ça. Attention quand même au foch, au T110-5, au Conqueror aussi. Peut-être là ou l'autre médium. Ensuite, c'est des petits tier 8. Ça devrait poser moins de problèmes. Ils vont galérer plus à me percer si je m'angle bien. Comme le 703-2. Attention quand même à lui s'il arrive à me mettre la salve là. On ne sait jamais s'il est à la hit avec la salve. Ça peut faire mal. Peut-être face tourelle, je ne sais pas combien il perce à la hit honnêtement. Chrysler là-bas, ok, hors de portée. Ok, tout le monde pousse dans le tunnel. Why not, j'ai envie de dire. 277 qui fonce comme un sourd. Le Skoda qui attend là. Ben, on va y aller, les gars, clairement. Ah, le petit Conway là-bas, attention, le rue. Le rue, non. Ah, oui, un petit morceau là. Oui, un petit morceau là. Fallait tenter, moi je dis, fallait tenter, même si on était à la gold. Fallait tenter le Conway peut-être. Attention, je vais essayer de passer, les amis. Laissez-moi une petite place.
Non, là ça va pas être possible, ça va être chaud. Vas-y, recule toi, recule. Il m'a vu, il m'a vu, il me voit. Ok, ça, il tire les autres là en face, évidemment. On va pas rester à rien faire. Alors ici, est-ce qu'on a quelque chose? Petit VK, hop. Ah oui, il me la rentre facile dans le moteur. Je vais réparer parce que j'ai pas envie de prendre feu, clairement. Alors ici, normalement, ça va être plus galère pour lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des gauches-droites. Il attend, il attend. Ah ben ça, c'est raté, Benito. Alors on va s'engueuler un petit peu. Voilà, il a tiré sur le 50 TP. On peut peut-être y aller, gentiment, timant. On peut peut-être aller dessus, les gars. Le CCM K2, il y va aussi. La plaine, ça se passe comme ça se passe pour l'instant. Ça se regarde en chiat fire, comme on dit. Attention, le CCA, attention à toi. Vas-y, va en prendre une. Le VK, il en a tiré une. Il a le gros canon, apparemment, le VK. Il nous voit venir là. Est-ce qu'il tire sur le CCA? Non, il va peut-être me tirer dessus. Est-ce qu'il y a quelque chose tout de suite ici à droite? J'ai pas l'impression. Attention, ici, il peut m'avoir là dans l'angle de la porte là. Ok, alors on va sangler un peu. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. J'ai pris cher, j'ai pris Chichi, Chichi la molosse. Heureusement qu'il n'y a personne derrière moi. Alors que je suis en side là, ça va aller mieux. Voilà, ça perce sur lui, très bien. Alors, passez mes amis. Ouais, ben là, c'est compliqué, ouais, je sais. Je prends beaucoup de place, moi. Je prends beaucoup de place comme mec. Je sais, je sais. Ça rentre, ça met le feu, c'est parfait. J'espère qu'il n'a pas d'extincteur. Je prends beaucoup de place, je sais. Lui, il me regarde, je le regarde, on se regarde. Je prends un peu beaucoup de place, je sais, pas de soucis. Je vais me mettre là, du coup. Ok, ça n'est plus. Parfait. Voilà, vous pouvez passer derrière, les amis. J'ai réparé tout avant de prendre feu, là, clairement. Mon ami, qu'est-ce que tu fais là? Ok, il y a un truc là-bas. C'est quoi là-bas? Ok, on va shooter lui, du coup. Pas de soucis, alors on va un peu sangler si on peut. STA1 là-bas, très bien. Attention à lui, il me la rentre malheureusement. STA1. Oh mon tir, il est parti où là? Sérieux, attention au VK qui peut one shot maintenant. J'ai intérêt de m'angler un peu plus l'object là. Il faudrait qu'il y aille. Ouais, lui il va me tuer clairement. Il va me tuer, il va me tuer. Ah oui, il m'a tué. J'ai trop anglé ma tourelle là. 2200 dégâts, c'est quand même correct. On sait 6 à 3. Bon, ça devrait être gagné. Dommage pour le tir sur le STA. Le VK est toujours full, l'air de rien. Et là, on a fait des beaux bouchons. Je me suis fort avancé tout de suite là. Mais bon, moi, j'en ai occupé 3 ou 4 là. Et tué 1 ou 2, je ne sais plus. Bref. On a à nouveau le petit chien, là, on verra ça après. Et on va jouer un autre char des boîtes de Noël. On va jouer quoi? On va jouer le Gessor ou le type 63. Non, allez, le Gessor, reste sur ta première idée, Benito. Le Gessor 1010. Voyons si on peut tomber. Non, dommage, pas avec du tier 6 en face, malheureusement. Il y a même du 9. On est du bon côté, que j'aime bien. Parfait, alors on va pareil mettre plus de gold vu qu'il y a des Tiger Moose en pagaille, des STI, STA, dites comme vous voulez, Auria, WZ, 111, GFT, et d'autres lourds, tier 8 encore, Isu, bon Isu ça se perce maintenant dans tous les sens, quoique des fois c'est troll l'Isu, malgré tout. On est parti pour essayer de faire une bonne game ici. Sur cette map, je ne sais plus le nom, Erlenberg, c'est ça? Erlenberg, c'est ça, oui. Ok, on est parti, les amis. Alors, voyons si notre petite position de départ peut faire un peu le café, là, sur leur lourd. On ne sait jamais, un lourd qui traverserait la pampa, ça se voit encore, ça se fait encore. Alors, si je prends tout de suite le bush ici, est-ce que je spot quelque chose? Attention à ne pas prendre le chichi, ça a l'air d'aller jusque-là. Personne ne traverse là de ce côté dans leur lourd, sérieusement? Oh, c'est triste ça. Personne ne traverse là non plus? Non, apparemment non. Il me semble avoir vu un truc se démolir là. Oui, voilà. Ah zut, pas comme ça. Benito, Benito, Benito. Tigermo, c'est ce qui m'a vu? Non, parfait. On peut donc réavancer. Il ne me voit pas. Il y a 732 là-bas. Ah, mais non. Benito, 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 Benito. Ça fait, c'est triste, ça, c'est triste, c'est triste. Le VK là-bas, ah, il sangle.
Voilà, ça perd, c'est déjà mieux, c'est déjà plus propre. Là, par contre, il m'a spot, oui. Ping-pong Poutine. Ping-pong Poutine. What a name, what a name. Attention qu'il y a... Il n'y a pas d'arty, j'ai cru entendre un bruit d'arty, mais non, ça doit être les animations de la carte. Oh merde, il va me shooter. Non, il m'a pas shooté. Pas eu réflexe, le monsieur. J'ai eu ma spot dans la foulée, encore une fois. C'est un peu moche comme tir, c'était un peu trop haut. Bon, il y avait eu la RNG contre moi. Pas de souci avec ça. Alors ici, normalement, il va même pas me spot. Ah, mais merde. Bon, là, c'était le même tir, mais il est parti encore plus haut. Il m'a même pas spot, là, vous avez vu. On peut donc le shooter. Il risque de blind mon bush. Ah, ça perce toujours pas assez ouf. Pourtant, je suis à la gold. Il ne blinde pas. Il reste là contre sa maison. Alors, on va essayer d'assurer le shoot. Mais merde, c'est pas possible, ça la poisse. On va le respot du coup. Voilà, on a le bush avec nous. Mais c'est pas possible ça. Bon, je vais tirer là, vous savez quoi. Je vais tirer là. Il s'est encore un peu plus sanglé. Peut-être que là, le flanc, ça pourrait le faire. C'est ici peut-être. Il a peut-être une. Ah, encore raté. Il a peut-être une mission où il doit faire bounce, les gens. Attention, il y a Kunz à droite là tout de suite. Voyons, tant que ça ne perce pas, il reste comme ça, il a bien raison, voilà, ça perce en fait, hop, il va se bouger normalement du coup. Voilà, il se bouge un peu, c'est ça, mets-toi bien de flore mon ami. Merde, pas comme ça encore Benito. Benito, Benito, il est quand même de flore là j'ai l'impression, mais pas assez encore. Le bas de caisse c'est chaud, là il est juste bien anglais. Non, toujours pas, peut-être là dans le... Haut de la jupe, là on ne le verra bientôt plus, faudrait le spot, il recule, il recule, il recule. Ah voilà, là ça perce, ping-pong, Poutine, ok on ne le voit plus, j'ai envie d'avancer pour le spot. Non, ça va être chaud si j'avance trop. Il y a encore le 703-2 peut-être là au bout qui n'attend que ça. T44, est-ce qu'il peut le spot? Apparemment non. Là peut-être qu'on aurait quelque chose, non on n'a rien à manger, là il y a du monde tout à coup, ok le... Lui là, ah lui peut-être là-bas. Ah bah il est mort, parfait. Oria. Ah mais c'est pas possible, ça, la poisse, ah je suis spot, attention à moi. Ouh là là, j'ai eu chaud au miche, pas pris la salve mais quand même. C'est pas qui m'a spot, c'est lui non, c'est pas lui qui m'a spot normalement. Quelqu'un d'autre qui m'a spoté. Je me suis remontré un peu vite là, s'il y avait eu des TD dans l'alignement, ils auraient peut-être pu me shooter. Ok, il tombe dans le trou. On va aller gentiment, gentiment sur le cône. Il y a peut-être un truc quelque part, je sais pas. Peut-être quelque chose qui spot quelque part. Le cône ici, peut-être. Attention à la fenêtre ici tout de suite. N'y a rien ici. Non, est-ce que je suis spot? Non plus. Ah si, je suis spot. Ça y est, il y a quelque chose dans les bushs. Ça y est, ça tire. C'est les TD. On va essayer de venger notre ami T4400 qui a pris Chichi la Molosso. Normalement, on recherche peut-être avoir l'ISU, il est track en plus. Voilà, il est mort, parfait. Parfait, parfait, c'est ça qu'on voulait. Alors, le Kunz, le WZ, il a tiré apparemment. Par contre, il se cache malheureusement. Qu'est-ce qui reste? Un chariot de tir là qui n'a pas été spot. Le TD, il revient. Oui, revient mon petit lapin. Ok, ça perce, facile, easy peasy, je prends du spot sur lui, parfait. Et je prends encore du spot, non, c'est pas moi là. Ok, il a reculé aussi. On peut peut-être aller chercher le Kunz ou alors aller chercher manger là-bas comme fait l'autre là. T4400, très bien, très bien. Le ping-pong là, on retourne dessus. Ping-pong machin Fury là, ok, il est là-bas. Non, raté. On va aller sur le Kunz, vous savez quoi. On va demander à l'aide sur lui. J'ai besoin d'aide, mon ami. On va se faire le Kunz. Ok, attention au WZ. Hop, c'était 44, désolé, mon ami. Hop, pardon, pardon, je ne fais que passer, je ne fais que passer. Ici, le TD. Hop, voilà, le TD, il m'a collé. Alors, est-ce que le T44 peut le sortir? Magnifique, magnifique. Le TD dans le QQ, le TD dans le QQ. Hop, il va se tourner sur moi. Attention à moi. C'est bon, je suis caché. Je m'étais caché. Personne n'y va. Personne n'y va. Il reste le Tiger Moose. Alors, il a tiré apparemment. Très bien.
Faisons-le nous. Non, quelqu'un d'autre l'a fait. Alors ici, on va essayer de pas se gêner. 2700 dégâts, c'est correct. Il reste le Tiger Mouse, Ping Pong, Poutine. Est-ce qu'on peut se le faire? Non, à mon avis, c'est les autres qui vont se le faire. On va voir ça peut-être dans le QQ ici tout de suite. Là, j'ai peut-être un petit angle. Ouais, là, j'ai un angle. Voilà, c'est pour moi. GG à moi, 2 kills. 3000 dégâts. Peut-être un blind ou l'autre, je pense pas. Mais bon, c'est bon. Ah si, le blind sur l'Isu. Qui a amené le kill, ça fait plus de 3000 dégâts normalement, plutôt une bonne partie j'ai l'impression. Bah oui, j'en suis même sûr, plutôt une bonne partie, face à du 9, classe 2, ouais, pas dégueu. Et on a réussi les petites missions, hop, 11000 d'XP, oui, c'est plutôt réussi, avec les bonus appliqués, presque 12000, GG à moi, voilà. J'espère que ça vous a plu, on a les améliorations de terrain, même x2 là, augmenté, vas-y. Qu'est-ce que ça dit? Check et check. Plus 4 à la rotation de la vitesse de la caisse, à la pénalité de râtelier, à dispersion d'un canon endommagé. Ça, on va rien prendre. C'est un peu la peste ou le choléra de côté, les malus. Alors ici, on a quoi? On a gagné quoi? Le niveau 3, celui-là. Ok, c'est les équipements. Ben voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On va ouvrir les boîtes ensemble ici, les boîtes du chien. Hop, les cadeaux extracteurs. Si oui, s'il vous a plu, n'hésitez pas, le pouce bleu, merci, ça m'aide beaucoup. Et encore plein d'extracteurs, que des extracteurs finalement, deux gros et un petit, un peu de l'arnaque là pour le coup. Qu'est-ce qu'on voulait voir? Est-ce qu'on a quelque chose dans le terminal? Je sais que vous aimez ça, oui, on est déjà dessus. Ok, deux petits jetons, on va ouvrir ça. Râtelier, il n'offre plus de char là, l'object medium là, et 15 000 gold, très bien. Ça, ça se prend. Voilà, voilà, c'était pour deux petites, trois même, je ne sais plus, trois petites parties sympathiques avec nos nouveaux chars. On en a réussi assez bien deux, en G-Sort et en Object. Un peu moins bien en Tiger Mouse, encore que, je ne sais plus combien on a fait de dégâts. Quand même quelque chose de correct. Oui, 2200, c'était quand même correct, même si on a pris cher là en avançant trop dans le tunnel, je m'en rappelle, sur Refuge. Le reste, on a plutôt bien réussi pour du tier 8 et 9. Clairement, la cote qui s'en ressort, 9000 de cote, 3 victoires sur 3, parfait, tout est vert là-bas, c'est tout bon. Allez, merci, à plus tard, bonne journée, bon appétit, bonne nuit, je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao.